Dans un esprit de recueillement collectif, les cadres et militants du Parti congolais du travail, Fédération de Pointe-Noire, ont commémoré le 47e anniversaire de la mort de Marien Ngouabi, président fondateur du PCT. Par le travail bien fait, dans l'unité, la discipline et la cohésion, immortalisant à jamais la mémoire du camarade Marien Ngouabi, fondateur de notre grand et glorieux parti, c'est le thème qui a sous-tendu ce 47e anniversaire de la disparition du feu président Marien Ngouabi. Une commémoration marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs à la stèle de l'illustre disparu. L'émotion est toujours vive lorsque les camarades du parti rendent hommage à cet illustre disparu, ce grand homme qui a inspiré le Congo d'aujourd'hui. Donc pour nous, c'est un devoir de mémoire vive que de tout le temps ne pas oublier le camarade Marien Ngouabi. Et c'est le sens que nous donnons à toutes les cérémonies que nous organisons chaque 18 mars. C'est pour ne pas oublier ce grand homme qui a marqué l'histoire et qui marquera encore l'histoire de notre pays. Et c'est cela que les militants sont venus ici, en nombre, commémorer. 47 ans après sa mort, Marien Ngouabi reste un modèle, une icône pour le Parti congolais du travail. Nous sommes là pour immortaliser la mémoire du camarade président. Voilà, donc c'est un grand homme. Un grand homme, et le parti ne peut pas oublier ses grandes valeurs. C'est pour cela que nous sommes là, pour commémorer sa mémoire. Né le 31 décembre 1938, Marien Ngouabi, le président fondateur du Parti congolais du travail, a rendu l'âme le 18 mars 1977.